Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui les amis, on se retrouve sur le terrain, comme on avait prévu. Oh, je vous la montre ou pas? Bah oui, vous la connaissez maintenant. La petite bête depuis qu'elle a été présentée. 110 CRF 2022, toute neuve. Jamais mangé là. Ouais, bon. Allez, me critiquez pas, vous savez très bien. Léo et les propretés, ça fait 4. 110 CRF les amis, le test, tant attendu aujourd'hui. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire des comparatifs. Il y a la 150 qui tourne. Vous allez l'avoir passé. Enfin, c'est ça mon soupeux. C'est chiant, c'est que j'ai le téléphone dans la poche. Donc si je vous voyais qu'à un moment je commence à me trifouiller les couilles, je suis pas en train de bander sur la moto, mais c'est juste que bah déjà j'ai un style frérot pas pour faire de la bécane et que j'ai le téléphone. Ah regardez, lui il est en galère là. Ah ouais, il est en galère. On va partir avec. J'espère que la GoPro elle est bien positionnée parce que comme c'est bas, je pense qu'il faut un peu baisser. Mais bon, on verra bien. C'est trop bien. Injection, t'attends. Et hop. Et sans embrayage. Donc c'est vraiment le top. Et après ça part le kiff. Avec la 150 qui roule. Là on va faire un petit tour là. Vous allez découvrir un peu le petit circuit. Avec la 150 les mecs, bon par contre, ça freine que dalle. Donc c'est drôle mais va falloir custom les freins. Bon, il y a des grosses flaques d'eau donc je vais pas arriver non plus comme un ouf. Je vais pas vous dire que j'ai envie de rester propre parce que je vais pas y rester. Et vous allez voir, il y a des petits sauts et tout, c'est trop fun. Tu peux tout passer. Hop, hop. Ouais, lui c'est un peu un mur frère. Quoique je crois que je l'ai pris tout à l'heure. Attends, il est où? Il y a un petit bout dans la forêt et tout, vous allez voir, c'est plutôt cool. On va l'attendre. Sans embrayage, en vrai c'est la vie, tu peux t'arrêter à n'importe quel rapport, tu vas repartir. Vas-y, passe devant. 150 versus 110. On va faire le test hein. Vous avez comme d'hab les codes de réduc chez Small MX. Pour ceux qui veulent. Ouais, il m'envoie plein de poussière. Le petit virage relevé. Ouh. Oh, j'en ai plein dans les yeux. Au moins, faut pas que je prenne trop de vitesse parce que vu que ça freine pas, à tout moment, je finis dans le champ. Oh, il contourne, il réinvente le circuit. Ah oui, ah oui. Ah, il réinvente bien. Ah ouais. Putain, il nous refait le tracé. On va le suivre. Wow. Ouais, du coup on sent un peu plus, mais regardez, vous allez voir que toutes les bosses, ça passe tout. Wouhou. Putain, mais il trace, regardez. Là l'iPhone qui se barre. Pas cool. La petite bosse, on va éviter de défoncer les fourches maintenant. C'est la forêt. On va faire un petit tour tranquille juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Une petite 110. Mais ouais, en vrai, c'est trop drôle. Bon, on fera bien une vidéo. Est-ce que ça justifie le prix? Mais en vrai, c'est drôle. Bon, tout à l'heure, j'ai fait un tout droit ici. Je faisais mon tour de reconnaissance. Et là, j'ai fait un tout droit là-dedans. Là, je roule à l'aveugle. J'ai tout dans les yeux. Comme il a plu, c'est un petit peu chiant. On n'est pas arrivé avec vraiment les bonnes tenues. Hop les. Ouah. Attends, là c'est un petit peu. Ouah. Plein d'eau. Le mec il vient habillé en blanc pour faire du cross. Ça va pas. En vrai, vous voyez que c'est tranquille. Comme c'est sans embrayage pour apprendre. C'est trop drôle. Hop les. Mais vous allez voir ce qu'on va faire, on va faire un petit projet dessus, ça sera plus intéressant de rouler quand elle sera custom. Dites-moi ce que vous pensez, ce qu'on peut faire avec ça. Eh mais ça envoie quand même hein. On parle quand même d'un truc qui est notifié pour les 5-6 ans. Ouais, ouais. Ça passe, ça passe. Et là t'arrives à fond, tu fais... Un big saut. Ouais, pour tenir en équilibre, c'est pas... Faut rouler avec les pieds sur le côté. Mais vous voyez les mecs, c'est beaucoup trop drôle. Par contre, ouais, là, on a pris plein sa gueule. Pauvre petite choupinette. Bon, vous avez vu les mecs? Quelques petits tours de chauffe. Oh, on n'a pas croisé le 150. On est trop rapide pour lui. Ah là, elle est dégueulasse, hein. Mais on va essayer de la lever. On va faire des petits épisodes wheeling, vous allez voir.
pas salir le Honda quand même. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Ce qu'on peut faire avec un petit projet. En vrai, ça peut être grave cool, hein. Vous allez regarder, je vais vous montrer. Le temps que Jean-Bernard revienne. Injection, démarreur électrique. Je suis un blaireau. Bah ouais, c'était pour ça. Qui démarre sans le contact? Non, c'est trop drôle. Donc, tu cales ta première et regardez. C'est trop drôle. Donc, quand t'as un frein qui freine, ça peut se lever, je pense. Bah, c'est sûr même. C'est pour ça que j'ai acheté ça, les mecs. Vous croyez que j'ai acheté ça pour faire des motovlogs? Oh non! Non! Bon, il s'est perdu avec le 150. Où est-ce qu'il est, le couze? Il s'est mangé dans un arbre ou quoi? Là, c'est la partie ornière. Ah, il est là-bas, c'est bon. Il est pas à terre. Mais je passe pas dans les meilleures parties. Hop, on va gruger. Et en plus du 4 ans, vous allez voir, la poignée elle est toute petite. C'est pour les bébés. La clé, je vais vous montrer la clé, les mecs, c'est beaucoup trop drôle. Elle fait 2 cm. Donc il y a 4 rapports sur ça. Et en vrai, ça en vaut déjà pas mal, hein, pour un gosse de 6 ans. Moi j'aurais kiffé avoir ça à 6 ans. Ha, je vous raconte pas. Hop. Bah alors, je t'ai pas croisé. Je vais trop vite pour toi, c'est ça? Hein? Dans la forêt, tout ça. T'es pas passé par la forêt? Vas-y, viens, on fait un départ. 1! À gauche de la plaque, hein. Ouais. 3, 2, 1. On a fumé le 150. Bon, voilà, vous avez le résultat. Qui marche le plus fort? Bon, attends, parce que là... C'est gadou, gadou. Oh, appelé. Ah, il a changé de trace. Ah ouais, par contre, les freins à tambour, non? Ouais, il y a mieux, je pense. Qu'est-ce que t'as fait, Micheline? Il s'est pris de la boue dans la gueule. Ah ouais? Il s'est pris une branche dans l'œil. Ah ouais, c'est chiant, ça. Ah ouais, non! Je reviens dans le bourbier! Mais tu peux pas rouler avec des bottes avec ça! C'est obligatoire, en chaussures! Trop drôle! Oh là là! Bon alors, dites-moi si vous validez la petite Honda, les mecs! Allez, repose-toi. Repose-toi, Choupette. Faut lui trouver un nom, les mecs. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? On pourrait l'appeler Choupette, la petite dirt bike. Non, là, on peut pas dire que c'est une dirt bike. C'est une motocross pour les hommes. Avec la petite 150, c'est le coopératif. Bah, il s'en va. Il s'en va. Hey, il va partir sans moi. Oh, ça change de tout au tout la posture et les freins. Eh, sur une dirt, on a quand même des meilleurs freins. Hein. Attends, on est beaucoup plus haut, c'est ouf. Moi, je passe pas là. Si je passe, on verra bien. Si je passe. On va essayer de pas perdre l'iPhone. Il m'envoie toute la poussière dans la gueule. Ah ouais. Oh le saut. Attends, attends, attends. Je vais mourir avec ça, moi. Je sais pas si la dirt, ouais, si elle frotte. Bon les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, pour qu'on fasse encore de plus grosses vidéos et qu'on améliore les petits, les petites vidéos. Ça peut être de plus en plus drôle. Ouais. Ah, attends. Oh, j'ai mangé une... C'est bon. Mais je pense qu'un truc comme ça, je peux le prendre, non? Ouais, sans frotter, ça passe. Oh, la dégaine! C'est un enfant! C'est un bébé!
Bon bah les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé, cette petite vidéo. Si vous voulez qu'on revienne sur terrain avec des vrais boss, des triple jumps, parce que là la prochaine fois c'est faire des sauts avec ça, on va essayer, sans casser le cadre, ça serait con. N'hésitez pas à vous abonner. Ah merde, oh putain, c'est des Air Max édition Camou. Cabou, c'est de la boue, édition boue. Bon les amis, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, tous les codes promo sont en description. C'était Léo, à la prochaine, et vous allez voir que la prochaine vidéo elles seront toutes propres. Allez, salut les mecs. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit.